Et plop les gens, on se retrouve dans Patrick's Parabox, un jeu créé par Patrick. Et donc nous en étions, je sais pas si vous avez vu la transition avec le titre, hein, c'est pour ça que je vous l'avais mis. Nous en étions, on avait fait ce monde là, et on allait on devait faire échanger, swap. Et juste avant de commencer, tant qu'on est sur la VOD, le début de la VOD, les VOD précédentes, j'ai bugué sur... Oh là là. J'ai bugué, j'ai fail, voilà, tout simplement. J'ai fail sur le fait de... comment dire ? J'ai fait mes enregistrements, j'ai perdu un enregistrement, j'ai tout cassé. Ok, c'est bon. J'ai tout cassé mes enregistrements dans le sens où... quand j'ai enregistré, après l'enregistrement, j'ai perdu les VOD. Du coup, j'ai dû théoriquement, si vous voyez cette VOD, j'ai dû faire un découpe téléchargé depuis Twitch et découper toutes les VOD. Donc, elles n'ont pas le niveau de exigence que j'en attends d'habitude. Enfin, elles sont peut-être un peu moins bien encodées. Voilà, c'est ça que je... Donc, désolé si vous voyez la différence, mais théoriquement celle-ci devrait être mieux. Con, mais si je sors ça, ça sort l'infini. Et on... Pendant qu'on m'agresse à côté. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Maintenant, j'ai ça qui est un peu mieux placé. On fout, on se met là en vrai. On va s'en foutre. On s'en fout. Mais pas tant que ça, parce que là... Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut que la bleue soit dans la verte. Que la verte soit dans la verte. La bleue est dans la verte, sauf que maintenant la verte est impossible à enlever. Oui. Là, la bleue est dans la verte. Il faut juste faire ça.
Et là, je vais là. On a fait deux niveaux, il y en avait 15 de nécessaires. Non. C'est vachement chou. J'ai l'impression. Je regarde l'intérieur. Non. J'ai envie de mettre une verte dans une verte. Mince, comme ça. Je vais mettre une verte là. Et après, faire hop pour sortir la jaune de la verte. Là, j'ai aucun moyen de faire descendre le jaune. C'est pareil ici, j'ai aucun moyen de faire descendre le bleu. Donc à cette position, il faut absolument que ce soit une verte. Et après, à bouger le bloc qui est là et l'emmener ailleurs. Rentrer dans le bleu pour sortir le vert, mais ça va sortir celui-là aussi. Que je voulais faire rentrer le bleu dans le vert. Là, si je en fais sortir. Ah bah oui, c'était ça. Là, je peux bouger lui. Et avec le jaune déjà placé, ça devrait. Alors. Et on va placer le jaune. Mange pas de pain.
Ou alors c'est vraiment le jaune qu'il faut mettre là-bas en bas. Comme ça, ici. Refaire rentrer le vert. Même aller chercher le bleu. Là, il faut trois couleurs, donc le jaune, je le rentre un par un parce que sinon je ne pourrais pas sortir. Sortir effectivement le cas. Si je mets là, il disait qu'il était simple lui. C'est que j'avais pas prévu qu'il en faudrait un là. Si je fais d'abord passer le vert. Paf. Rien changé. Ne change rien. Je traverse ou pas? Ah si, dans ce sens-là, ça change si je traverse. Ça bloque tout.
Et maintenant là, si j'en fais sortir un... Si je peux faire sortir genre le jaune comme ça... Et après... Je voulais être moi à la place du jaune pour repousser le bleu dans l'autre sens. Mais si je fais ça, le jaune va à ma position de fin, du coup c'est mort. Est-ce qu'il sera dans un coin le jaune, du coup impossible à bouger, alors que là si je poussais le bleu sur la gauche... Genre là... Enfin non, là où je suis plutôt. J'aurais pu... Hop. Le pousser là, avoir le bleu qui était ressorti. Comment on fait? J'ai l'impression qu'il faut absolument le bleu là, et il faut aussi absolument le bleu ici. Pareil, compromis. J'arrive à mettre n'importe quel bloc sur cette case là, là, celle là où je suis, sans que moi je doive sortir d'ici, je peux le pousser là et c'est gagné. Si je les fais rentrer dans le bleu, ça en fait juste zipper à l'infini. Et lui, il est dans le mauvais coin. Là, je peux pas le déplacer sur la gauche. Je pourrais avoir le vert encore en haut et le jaune là en bas. Enfin, le vert encore dans le bleu et le jaune là en bas. Mais ça changerait pas grand-chose. Y a pas la place pour que je fasse un détour. Juste faire des manœuvres dans le vert en fait. C'est vachement compliqué. Là, il faut mettre tout le monde dans le vert. Suivant, hein, vu que... Ah.
Et si je commence? L'impression qu'il faut que je fasse le setup moi-même dans le jaune. Là, j'ai multiplié. Ah ouais, non. J'ai multiplié les jaunes là. Et là, ça marche. J'avoue que je sais pas trop trop ce que j'ai fait de différent. Ok, attendez. Si je réussis à mettre cette jaune là dans la bleue, j'aurai une jaune et une violette. Ouh. Et jaune, violette, bleu. Sortir du jaune, hop là, là. Nul parce que c'est clairement les niveaux qui nous apprennent à faire les paradoxes. Comment j'ai fait pour que là ça marche? Et dedans, si je sors juste. Ok. Si je sors. Voilà. Ah oui, parce que là la sortie est à gauche. Et à gauche, bah, du coup, rien. La sortie de tout le monde. Alors que là, là, à gauche, il y a le milieu du niveau. Et je comprends mieux. Thank you.
deux. On peut faire, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que, pourquoi oh, là je suis dans le bleu, hop, et là je suis dans le violet. J'ai réussi à récupérer le jaune depuis le violet. Donc là, si je me mets dans le jaune, là j'ai les 4, j'en ai 4 plus moins comme au début. Sauf que si je me cale contre un mur pour rentrer dans la verte, il ne fera pas. Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir sortir la verre. Parce que là, j'ai dupliqué la verre. Yeah. Là, j'avais dupliqué la jaune. Je vais essayer de dupliquer la bleue. Ouais, mais l'aime. Galérais déjà sur la fin. C'est à peine le début. J'arrive pas à me remettre dedans. Bon, en tout cas, ces niveaux plus compliqués sont devenus trop compliqués pour moi. Oui, si vous avez des idées pour l'un ou l'autre,
pense que vous pouvez me le dire en commentaire et d'y repenser, d'y revenir, mais pour le moment, je suis perdu, on va les laisser de côté. Du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.